Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous. Nous porter update pour vous, son dossier qui a parlé depuis longtemps. C'est causé taxe return Donald Trump. Nous connaissons que nous allons entrer dans la saison taxe là, pas bon ici aux États-Unis. Et puis dossier taxe return Donald Trump là. Depuis 2016, personne ne m'a pas rejoint. Et que il y a un pile procès qui a fait, notamment chambre député qui sort pinab Bankli. Il y a plusieurs groupes qui ont cherché. Il y a l'État de New York tout qui sort pinab Mazar. Qui c'est et compagnie de comptabilité li procès à l'aller dans pile monsieur perdu tout côté en fait te gen en pile nouvelle qui te fait comprendre que te gen possibilité pour te tax return Donald Trump avant fin année mais ça passé mais Donald Trump j'ai une chance li une autre fois encore mes amis parce que monsieur demandé pour Supreme Court considérer dossier a mais ce jour dit a Supreme Court et d'accord li dit oui. Li pral tande dossier Donald Trump là pour le décider si oui ou non est-ce que justement monsieur député ou gen droit pour sob pina banque li pour joindre tax return ni ça ça veut dire lorsque Supreme Court dit pral tande là moi expliquer tête li pral tande ça veut dire que Supreme Court décider que Donald Trump gen raison et que li ka interdit eh bien chambre des députés a pour joindre accès avec tax return. Mais tout simplement, je dis au pral tandil. Mais en tout cas, quel que soit le genre considéré, c'est une victoire pour Donald Trump parce que Donald Trump est dans la dernière ligne droite. Là, comprenez bien, là, il n'y a pas de fédéral contre le PD. Là, il n'y a pas de première fois le PD. Là, il n'y a pas de deuxième fois le PD. Et au débat de l'élé pour le tax return. Non? Donc, c'est le route pas boire, monsieur. Dernière chance, monsieur, c'était Supreme Court là pour qu'il puisse faire un genre. Et dans le mois de décembre, même fois, il dit ça au pral fait. Si vous pas de considéré, normalement, finalement, le monde a commencé, ouais. En bas Donald Trump. Mais Supreme Court décide yo di yo pral tande kez la. Donc, li pa vle di nous bien dit que y a gagné. Mais quand même, li c'est une victoire temporaire. Parce que Donald Trump ça la bat la. La bataille pour le s'il ka traversé 2021 dans procès jusqu'à ce que li gan tal nan élection pour moun pa wè taxi. Est-ce que ça a ka fait? Pas nécessairement. Mais pa bien que c'est depuis 2016 bah ça a parlé gen longtemps et monsieur presque fait, monsieur presque fait 4 ans là pour que moun pa jwenn tax return. Qui j'en ça décidé? Généralement au niveau de Supreme Court lorsque y a décidé pour un case, y a besoin seulement 4 juges. Depuis 4 ça il dit pas bien que 5 juges c'est majorité mais les attendez le pas nécessairement besoin majorité. Dès que jwenn 4 juges qui dit oui, ont décidé tande case là, et bien ça capable fait. OK? Donc et 4 juges qui dit attendez là, ça pas veut dire que 4 juges ça yo c'est nécessairement ces raisons yo pral bail. OK? Yo simplement dit que ça mérité pour nous attendre yo dit yo pral attendre. Donc yo justement grant request là. Ça veut dire yo signé yo d'accord demande là, son demande avocat monsieur a fait pour être capable attendre que ça. Maintenant, et pour nous-mêmes cap suivre, cap garder. Est-ce que finalement nous gagnons espoir d'après les citoyens et est-ce qu'on gagne espoir n'a pas joindre nous, n'a pas ouais tax Donald Trump avant élection 2020. Puisque kounye là début bas là dans procès pas grand ken sont bina. Mais j'ai remetté scénario. C'est que vraisemblablement yo pense que Jean-Baptiste là il a eu le temps de casse ça en mars. Nous en décembre là jusqu'en mars yo pral tande et vraisemblablement suivant projection mars avril mai juin c'est dans mois de juin que finalement Supreme Court a gagné pour prendre décision si tax return Donald Trump a pris dans la rue. Donc en clair nous gagne rendez-vous jusqu'à juin là pour nous connaître que si finalement n'a capable ouais tax Donald Trump à ce moment de la durée n'a presque au beau milieu de l'élection. Pas oublier que l'élection pour le fait pour novembre 2020. L'élection pour le fait 2020, avait dit tout le mois de juin, juillet, c'est mois de campagne. Côté des candidats qui ont bien pour le faire campagne un peu partout, pour convaincre le monde pour le voter. Donc son résultat qui pourrait tomber au beau milieu de l'élection, de toute façon, on va demander est-ce que c'est un mauvais calcul ou bon calcul. De toute façon, on va le gagner pas. Pas oublier que dans la vraie élection, moins petit bagaille qui tombe, li influence l'élection. Et pour preuve, Hillary Clinton était victime de ça. C'est le fait que
c'est à la veille des élections qu'on bonne baraque qui t'a tombé sous email li et tout le monde mettait d'accord. Yon nan baraque qui fait Hillary par président c'est causé email ça. Jusqu'à la dernière minute ba email ça collé dans d'elle. En fait c'est un et Hillary même d'accord pour dire que dernier coup pour tirer coucou qui tout le fret là. C'est lorsque quelques jours avant élection hein, yo prend des décisions sous causé email ça qui retourne encore. Yo t'avais comprendre c'est une raison qui fait que li perdit élection. Maintenant, faut nous comprendre, c'est pas jouer de bagarre qu'a décidé là. Si vous me dites on va attendre qu'est-ce là? Mais qu'est-ce ça? Tout juge yo conscient de ampleur. Si par malheur yo ta d'accord avec Donald Trump, son décision qui t'a bien impact sur la séparation des pouvoirs. Nous clair sur ça. Son décision qui t'a bien impact sur la séparation des pouvoirs. Donc, c'est un dossier très important que mais je suis prêt à me côté pour le débattre là. C'est justement yo pral décider si li nan congressional power, est-ce que c'est pour vous, est-ce que yo gen pouvoir ça pour yo dans cadre d'investigation yo pour yo mandé information sur information comptabilité sur président. Et nous pensons que même lorsque un juge t'a dit c'est conservateur ou c'est de droite, mais c'est tape très grave parce que là il ne s'agit pas de Trump, parce que ça vous comprenez la décision suprême Kojo là on prend ni le président ça vient il a bien des impacts en profondeur sur tout le président qui a venu. Il a même justement mis en question constitution pays. Donc nous autres nous t'arrêter quoi que quel que soit et justice suprême Kojo là qui l'été de l'extrême droite qui c'est Trump qui te mettez bah penser que yo pral non l'esprit partisan. Parce que n'a pas rappelé pour nous répéter encore décision suprême Kojo yo aller au-delà d'un président. Yo set ça nous est de précédent. Décision suprême Kojo établit des précédents que l'autre président qui a venu capable de décider sous base de parce que suprême Kojo prend telle décision. OK? En tout cas, Jean Douléa avocat Donald Trump yo déclaré que yo content bon qui ça pas ta content parce que c'est jour t'a compté yo ba au délai pour mais bon une fois qu'on a suprême Kojo dit oui la prend que ça là font ouf yo gon ouf pour n'importe 6 7 mois là ay nous bien 12 et 800 mars on va attendre yo et puis juste en juin décision va le prendre. Donc nous capable dit quelque part c'est une victoire. Une victoire dans le sens que ni fédéral court ni appeal court yo perdit tout. Ça va veut dire que yo comment bien victoire là que yo gagne un procès hein. Mais dans stratégie yo qui s'est joué avec le temps. Et pour Donald Trump si 2020 a passé puis il t'a gagné un bon sou yo. Et puis taxi même les moun t'a vinn konsa dans taxi. Si chance pour il ta président. Il président le président net. Vous comprenez? Donc c'est stratégie ça là mené. Donc quel que soit agent quitte suprême court a prévenu dit que bon faut bailli en 2000 il t'a gagné traverser 2020. Parce que l'objectif monsieur c'est d'arriver traverser 2020. Depuis traverser 2020 bon. OK. C'est comme ça bailli là. Donc faut expliquer bien. Non causer chercher taxe Donald Trump là. J'en dis, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a un député qui gagne loi qui écrit qui mandé à IRS pour bailler. Passons à l'autre aspect. Même Jean député ça tout adressé avec film comptable Mazar qui dit pour bal taxe sur Donald Trump. Gagné chambre député ça tout qui s'obtient à banque Donald Trump qui mandé l'information financière. Tout c'est des dossiers. Mon garanti, je veux dire et suprême court dit que le pral temps de cas ça. Là bien l'autre cas encore là je dis pour qui un peu grand différence. On va connaître grand nuance parce que chaque fait référence à un bagage bien spécifique et a gain pour décider. Et au niveau du suprême court bon bonne caisse déjà ou gain Dakar ou bonne l'autre caisse. OK? Donc il vient que année 2020 hein, son année élection mais on est très controversé. Dans le sens que pour gagner une bonne décision cap tomber au niveau de suprême court qui pourra gagner des impacts sur la présidente de Donald Trump. Dakar c'est un gros yo et il y a plusieurs autres encore. Yo parlé tout de abortion,
entre les avortements. Comment notre décision que vous pral prendre et tout pral tomber au beau milieu 2020 qui pral gagner des conséquences sur la présidence de Donald Trump. Donc, il y a Deutsche Bank qui est sobina, ça veut dire que vous voyez justement et mandat, vous dit que faut qu'il baille information financière de Donald Trump. Dossier ça tout pour aller, il va aller dans Supreme Court. Il y a Mazar, il y a l'état de New York tout qui même adressé là avec Mazar. C'est Vance, prosecutor Vance dans New York qui a mené bataille ça. Il était déjà rejeté à pile Trump te fait dans cas Vincent. Et côté que dans cas Vincent, président présent c'était comme un monde qui gagne immunité. Et que yo pas ta supposé à faire aucune investigation pour zak que il fait. OK, yo pas ta supposé à faire sobina qui t'a étudié ça n'a relé s'il t'a fait un crime. Oh, you know, il bon juge l'anti bail, ou gen doit avoir un crime dans moment président gen doit décider par retour. Yo continue à faire investigation et puis coup tombe yo passer minute tout. Ça pas empêcher que yo condamne en et yo condamne et ton sous pouvoir et puis après leur quitter pouvoir. OK? Donc c'est causé on ça causé à donc on victoire partielle en deal de Donald Trump dans quatre batailles ça. En d'autres termes, il gagne en bataille mais la guerre continue. Cette guerre justement pour finalement rejoindre tax return de Trump. Le suspense continue. Rendez-vous à pour mars. Lundi rendez-vous pour mars, attention. Pas bien que nous avons plusieurs aspects, ça c'est une. Mon gars doit gagner. Il y a plusieurs parles devant le Supreme Court. Je ne sais pas si on va décider au bout de tout. Parce que l'autre dit taxe, il y a plusieurs aspects. Attends-nous, non, je ne sais pas si on va gagner l'autre décision encore. Qui est toujours lié avec taxe. Mais qui constitue d'autres institutions. Parce que là, on choisit des chambres de députés, mais pas New York. Là. Il faut qu'on arrive devant le Supreme Court. Je ne sais pas si on va le prendre. Donc, tous ces aspects différents. Et dans l'autre, on va suivre. Et nous-mêmes, nous l'avons porté. Tout dernier update pour. C'était un plaisir pour nous. Pas oublier. Rebranchez avec nous si vous avez besoin des informations pertinentes de ce qui a passé. La carte est ensemble, pas bon ici. Mais tout ça qui a dominé l'actualité en Haïti.